Bonjour à toi cher délinquant, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 27 novembre, il est 8h25 du matin. Et nous sommes réveillés depuis 8h du matin à peu près. Pour cette journée de travaux, où là il va y avoir du lourd, du très très lourd qui va être fait, n'est-ce pas? Car aujourd'hui la pose du parquet est planifiée. Et oui. Mon père, enfin mes parents arrivent aux alentours de 9h du matin. D'habitude, ils ne viennent jamais le matin parce que ma mère s'occupe de ma grand-mère du coup jusqu'à midi pour le repas de midi et tout ça. Et ils viennent généralement quand ils viennent le dimanche, c'est en début d'après-midi. Mais là, exceptionnellement, c'est ma soeur qui va s'en occuper et du coup, c'est mes parents sont partis ce matin à 7h du mat. Assez tôt, du coup. Le réveil a été dur, je pense. Pour venir nous aider à poser le parquet, mon père a insisté pour que sa présence soit là. Il m'a bien dit de ne pas commencer avant lui, voilà. De toute façon, c'est même pas moi qui vais poser le parquet. De toute façon, c'est Laura et mon père. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des travaux. Hier, on a peint pendant plusieurs heures, j'en ai plein le cul. Non, surtout que j'aime pas poser le parquet. Je sais pas, dans tous les travaux que j'ai pu faire et tout ça, je crois que la pose de parquet, c'est ce qui me casse le plus les couilles. Avec les angles, avec faire les angles au pinceau, ça aussi ça me saoule. Mais la pose de parquet, je sais pas, c'est un truc qui me saoule. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Donc à Châtel, j'en avais posé aussi avec Mickaël. Mais je sais pas, ça me saoule. Donc, pose de parquet, aujourd'hui, avec mon père. Donc Laura et mon père. Moi, je resterai avec ma mère et les gosses et tout ça. Je vous ferai des timelapses et tout, vous inquiétez pas. Ça sera bien entendu filmé tout au long de la journée et tout, pour vous ne manquer rien, j'espère. Normalement, oui, je devrais filmer tout au long de la journée. Et puis, voilà. C'est une bonne journée, n'est-ce pas, hein? Et puis après, bah, ce soir, il y a Stevie qui vient ensuite à 14h pour m'aider à monter les meubles, parce qu'il y a beaucoup de meubles, beaucoup de cartons et tout ça. Bah, il va m'aider à monter les meubles et tout ça progressivement dans la chambre au fur et à mesure que le parquet va avancer. Non, ça va aller assez vite. Et après ce soir, bah, j'ai montage du vlog, j'ai un live, le repas et tout ça. Pour midi, Laura l'a déjà préparé à manger, elle l'a fait hier, c'est 3 quiches Lorraine et une tarte à l'oignon. Donc elle a préparé largement à l'avance pour qu'on puisse être tranquille et tout. Et quand on est parti au resto hier, elle avait tout préparé, donc c'était très bien. Donc voilà ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est 3 quiches Lorraine et une tarte à l'oignon pour midi. Donc je vais rester majoritairement avec ma mère. Mais je vous mettrai la caméra pour que ça filme et tout ça. J'avais même réfléchi à mettre une caméra genre en timelapse complet toute la journée. Mais bon, c'est mettre sur secteur, ça va remplir les cartes mémoire. Faudra que je vienne quand même changer les cartes mémoire très régulièrement et ça sert à rien quoi. Donc voilà, je vais vous poser cette caméra une fois de temps en temps. Et puis comme ça vous aurez l'avancement. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça, voilà. Et moi j'ai hâte de monter les meubles. Ça va être sympa, voilà. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now. I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. And I won't look back. Yeah, I don't care about the bad shit. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Oh, I, yeah. Baby, I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here. Oh, I, yeah. Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. You said, yeah. When I want it, then I want it, yeah, I want you. Everything stops when you move like that. And I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, cause right now I'm in it. I feel kinda dizzy when I'm staring at you. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. Oh.
les amis, comme vous le voyez, c'est l'effet de l'essence. Raclage du sol pour enlever les traces de peinture. Je ne pouvais pas le faire hier, c'était encore frais. La peinture, elle collait un peu. Ouais, du coup, on s'attend à faire ça avant de passer à la pose du parquet. Ma mère, je fais du ménage. C'est pas grave, t'as le droit de dormir. Hein. Bon. Dans tous les cas, on continue tout ça et puis je vous filme et tout de toute façon. Au fur et à mesure. Andaba buscando el amor de mi vida. Siempre se acaba, se me rompe el corazón. El amor a mí me suena ya como un proyecto. Te lo digo directo. Pero tenerte a mi lado pa' mí es una razón. Préndete como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me mira, mami, quiero estar sintiéndote. Como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me tiras, mami, quiero estar rompiéndote. Hace meses que no nos hemos visto, pero no quiero aceptar la realidad. Que lo que siento cuando tomo un trago rico no es nada más que temporal. Acércate, baby, que quiero sentir tu piel. Ya está sudando, rompiéndolo. Si se está en pareja, pero hoy va a ser infiel. Sé que estamos ahí, te puedo ayudar, yeah. El amor a mí me suena ya como un proyecto. Te lo digo directo. Pero tenerte en mi cama pa' mí es una razón. Mantenemos viva la ilusión, mami. Préndete como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me miras, mami, quiero estar sintiéndote. Como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me tiras, mami, quiero estar rompiéndote. Tu favorita, si sé la posición. Ese cuerpito siente la presión. Todo lo que te hago en la intimidad lo hago con propósito y pasión. Tu favorita, si sé la posición. Ese cuerpito siente la presión. Todo lo que hacemos en la intimidad es fantasía de imaginación. Préndete como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me miras, mami, quiero estar sintiéndote. Como un feeling, sé que ya estoy encendiéndote. Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote. Aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me tiras, mami, quiero estar rompiéndote. Chilling with the bros who was up for a night out. Yeah. Saw you in the cut with that wifey demeanor. Damn. Looking so bored out your mind though. You kinda gave me the sign. So conversations became relation. No escaping, heart is taken. I've been waiting, I've been patient. Thought you'd been down, heard you skip down and can't be found. Where are you now, baby? Deep down, I know you be missing me. But you keep being a mystery. Damn. Don't know if you recall it, but last time I sang, the sun won't shine till we meet again. Been waiting all these stormy nights, oh yeah. Stormy night, oh yeah. They found you on my way yet again. We must be meant for each other, girl, oh yeah. Baby, don't fight it. Babe, sun don't shine when you go away. Baby, won't you come home right now? Baby, won't you come home right now? Yeah, need to know that you okay. Okay, with everything I gave up for you.
did it for love. No escaping, heart is taken. I've been waiting, I've been patient. Thought you'd been down, heard you skip down and can't be found. Where are you now, baby? Deep down, I know you've been missing me, but you keep being a mystery. Damn, don't know if you recall it, but last time I said the sun won't shine till we meet again. Been waiting all these stormy nights, oh yeah, stormy night, oh yeah. I found you on my way yet again. We must be meant for each other, girl, oh yeah. Baby, don't fight it. Offer me light and give me my reason to stay high. Let my body decide, 'cause you're my desire, as ugly as I, but I'll never be like you. No, I'll never be like you. Never be coming. So like actuellement 10h19 et du coup comme vous l'avez vu dans le timelapse, la pause du parquet a commencé. En parallèle avec ma mère, on a fait du rangement et tout. Bon, elle a fait plus que moi parce que du coup moi j'alterne avec la caméra machin et tout ça, et là je vais même commencer à monter le vlog dès maintenant parce qu'il risque d'avoir beaucoup de contenu à monter, les timelapse, les machins et tout ça. Donc là je suis en train de commencer à charger les fichiers du vlog, j'alterne les cartes mémoire, les batteries, les ci, les ça et tout. Ah, pour essayer de vous filmer le max possible, hein, pour que ça soit joyeux et divertissant. Donc voilà, là on a déjà, j'ai déjà pas mal filmé, j'ai 13-14 minutes de contenu avec les timelapse, une heure en réalité sans les timelapse, donc une heure de rush. Donc ouais, il y a déjà pas mal de contenu. Donc là je commence à monter progressivement au fur et à mesure. Il y a Théo, il joue à console, Chloé elle joue au Lego, Libby elle faisait ses devoirs avant, là elle est en train de regarder sur Amazon, ma mère elle veut commander des étiquettes pour mettre sur la porte des enfants. Chaque porte, chaque enfant a sa chambre du coup. Elle veut mettre le prénom de chaque enfant sur chaque porte. Elle regarde avec Libby sur Amazon. Et Léo lui il est en train de regarder la télé tranquille et tout ça, voilà. Et là Laura et mon père sont en train de poser le parquet et tout. Mon père il pose le parquet de la chambre de Malone, et Laura elle pose du côté de la chambre de Libby. Voilà. Progressivement, n'est-ce pas? Tus labios que saben a mucho azúcar, un sabor que no puedo olvidar. Let's skip the drinks and take a trip tonight. I don't wanna come back from this high.
de mis pecaditos. No puedo sentir mi cara, pero puedo sentir tus juicios. Solo monta este viaje conmigo, montate suave, quiero sentirlo. Baby, you cocoa butter, sweet chateau. Simma, simma, baby, till I plateau. Gaufres avec ma mère et avec ma mère aussi, ils ont pris le PC portable parce que ma mère veut mettre des, comme je vous ai dit, des petites étiquettes sur les portes des enfants et tout ça, donc ils regardaient ce qu'il y avait. Attends, quand ça voudra bien focus, putain, bordel de merde, putain. Bref, t'as compris le principe. Puis là mon père et Laura, ils ont fait une toute petite pause café et là ils sont repartis pour la continuation du parquetisation. Et moi je continue de monter le vlog progressivement, de toute façon pour prendre de l'avance, de toute manière. Je vais pas avoir trop à monter ce soir, surtout que j'ai le live et tout. Donc voilà. We'll be right back.
Bon les amis, petit point de situation entre deux. La pause continue, ça va super vite. Hein. Après c'est pas facile, mais ça va super vite là. Ils avancent vraiment très très vite. C'est cool. Et là, je vais commencer à faire préchauffer le four pour pouvoir mettre les quiches au four, comme ça au moins pour les manger à midi. Ça va? Tous installés, tu sais. En train de regarder des dessins animés. Ah, la ceinture, je sais pas, il faut que je vois parce que c'était malade qu'il l'avait utilisé. Ah, voilà, les quiches. Quiche Lorraine, tarte à l'oignon, tout ça, miam. Ça va être bien, bon, cette affaire. Hop. Ouais. Oh, ma mère a fait des gaufres avec Libby, vous avez vu tout à l'heure la préparation. Ça devrait passer les trois là, même les quatre. Hein. Ah oui, les quatre tartes là, elles passent largement au four. Large. Là, s'il y en a un qui est dans une assiette, l'autre aussi. Là, c'est dans les plats, je vais pouvoir poser sur. Je vais poser là-dessus. Et sur le fond de tarte aussi. Là. Voilà. On porte toutes les foutres au four. Ouais, c'est bon, ça passe. Ils ont fait la pâte à tarte, la pâte à gaufre. Je vais sortir le gaufrier du coup que Françoise nous avait acheté. Il sert. Et puis comme ça, on va faire les gaufres aussi. Ma mère nous a ramené des légumes, des carottes, des endives, tout ça. Hop, la salade, la mâche. Et puis voilà, nickel. Voilà, comme ça, ça chauffe, on pourra remettre au four. Puis on mangera tout à l'heure. Là, il est 11h35, donc ça va. Tranquillou. Ils ont presque fini de poser le parquet dans les deux chambres. Après, il y a les plaintes. Ça va vite aussi, les plaintes. Et après, ciao, bonsoir. Il restera le hall, mais il nous manquera du parquet gris pour le hall. Il nous manquera genre un paquet. Mais en fait, je m'étais emmêlé les pédales parce qu'à la base, j'avais pris que du parquet gris. Et quand Malone a dit qu'il voulait du parquet style bois, bah du coup, j'ai reposé du parquet gris et j'ai pris du style bois. Mais j'ai mal calculé parce que du coup, j'ai rendu trop de parquet gris. Un paquet de trop, je crois. Ouais, un paquet. Ça suffirait. Donc en espérant qu'ils en ont encore, sinon bah tant pis, on changera de style de parquet pour le hall. Mais là ils sont en train de terminer la jonction des deux chambres. Donc bon, dans une demi-heure c'est terminé. On va peut-être un peu plus parce qu'il y a quand même tout le long à faire où il y a de la découpe. Et après c'est fini. Donc là quand Stevie va venir à 14h c'est parfait parce que du coup on va pouvoir commencer à poser. Là je viens de mettre les 4 quiches au four. Quand Stevie va venir à 14h on va pouvoir commencer tranquillou à poser, à monter les meubles et tout ça. Donc on va monter les lits en premier. De Malone et de Libby, les matelas, ensuite on va passer au bureau, donc un bureau de chaque, et ensuite on va passer sur les chaises gaming,
Ensuite, la fixation de la télé Libye. On va amener du coup la télé console et tout le Malone dans le grenier. Sa commode, je sais pas s'il la garde ou pas, on va voir. Et puis après, les petits trucs comme ça, à droite à gauche. On va fixer les lampes, les plafonniers et tout. Et puis voilà, c'est propre. Oh là 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 là, ça va être chun. Ça va être cool. Un peu de mâche, s'il vous plaît. Puis moi, je continue de monter le vlog en parallèle. J'ai rangé la cuisine. J'ai rempli la vaisselle. Fait du rangement. Donc voilà, chacun sa tâche. Pour une fois que ça change, c'est pas moi qui fais les travaux. Moi, je fais le ménage et Laura fait les travaux. C'est bien. Voilà, il y a de quoi faire une bonne soupe là. Donc, ce qu'il y a là. C'est cool. Nickel. Puis les gaufres tout à l'heure. Voilà. I never got it, what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Bon les amis, il est actuellement midi 59, nous avons mangé les quiches lorraines, il en reste un petit peu pour ce soir pour les enfants et tout, c'est bon.
Et du coup, bah, Laura et mon père ont repris le montage du parquet. Là, ils arrivent à la fin. Et c'est la fin où c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de découpes en fait, de petites découpes et tout ça. En tranches, en long et tout, c'est un petit peu compliqué. Il y a Libby qui est en train de ranger sa chambre, préparer un peu ses affaires et tout, parce qu'on lui a dit que de ce soir, elle pourra dormir dans sa chambre. Jure ? Bah oui. Mais bah, je dormirai comment ? Comment ? Ouais, y a pas lit. Bah on va le monter là, Stevie il arrive, on va monter les meubles. Oh, t'es trop bien ! Et là, on doit terminer les plaintes. Et après, bah, Stevie, on y vient avec. Je sens que quand on va déplacer l'armoire. Oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Stevie m'a dit qu'il passait vite fait chez sa mère et après il venait. Et qu'on va attaquer du coup le montage. Bon, on va monter la chambre de Libby en premier. Ça sera la chambre de Libby. Donc il n'y a pas grand chose à monter. Il y a un lit, un sommier, un matelas, un bureau, une chaise gaming, une télé accrochée au mur. Ainsi que les appareils et tout ça. La table de nuit, on la reçoit mardi. Il faut aussi que je recommande une commode ou un truc comme ça. Et puis après, voilà, ça sera bien de toute façon. Il faut qu'elle prenne. Faut que tu prennes ton écran, ta console et tout aussi. Hein. Tu te rappelles de ça? Ah oui, je m'en souviens, oui, l'année dernière. Ouais. Regardez mon magnifique livre! Craque à mon grand-père que j'ai fait qu'un. Tu me sortiras le bouclier. Ah oui. Ouais. Mais du coup, t'as dit, tu voulais me dire quoi? Elle est en haut. Tu voulais me dire quoi? La console, la télé, ton tu écran. Je débranche tout? Ta console, ton écran, bah oui. Quoi? Mais je sais pas comment rebrancher, moi. Tu joueras sur ça de ta télé ou ton écran, la console? Je t'ai déjà dit de la télé. Ok. Mais je sais pas comment rebrancher tout après. Ah bah tu verras. Papa! Prends la machine là, noire. Ça, ah. En dessous du sac, oui, tu la donnes à Nini, c'est le gaufrier. Parce qu'elle va faire des gaufres. Elle va faire des gaufres? Oui, bah oui, elle a préparé avec Libby ce matin. Et t'as vu, au moins on peut passer comme ça. C'est quoi les sacs là? Ah, je les mets comme ça on peut passer. Même c'est quoi tous ces papiers là? Oh, ça c'était dans un sac, c'est des papiers de jour. Ok. Tiens. Merci. Okay. Donc, gaufrier Krups que Françoise nous avait envoyé. Voilà, comme ça. Voilà le gaufrier. Je vais ranger la cuisine, lancer la vaisselle. Et puis, on les s'ouvre. Voilà. Bueno. Et puis là, ouais, Stevie va pas tarder à arriver. Et puis on va commencer à monter. Là, on a déjà tous les cartons à monter et tout ça. Foutre la télé au mur, le bras de fixation, tout ça. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, mais c'est bon. Libby ce soir pourra dormir dans sa chambre. Elle en est toute excitée là. Tu m'étonnes. Bon, je vais ranger tout ça. Et puis après, bah, je referai des timelapses et tout en haut.
running like a child. Can't feel the cold. Well, I'm lost here with you, lost in the woods, lost as I should. Il est actuellement 14h05. On est en train de monter le lit de Libby. Du coup, mon père. Non, mon père, il a fini du coup le parquet dans la chambre de Libby. Il faut mettre les plaintes. Il est en train de terminer le parquet dans la chambre de Malone. Et là, on est en train de monter le lit de Libby. Donc, j'ai demandé à Laura de prendre le relais parce qu'elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire. Tout propre. Nickel. T'es en train de monter ton lit là. C'est à toi ça. Yes, merci. Mamie, elle avait pris, elle te l'a piqué et elle m'a mis tous mes stylos dedans. Ah. Donc là, je vais monter mon vlog en attendant Laura le continue le montage. To toss me about, I'm wiser.
Reel me in to get it going. Open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Bon les amis, il est 14h38, bonne situation, le bureau de Libby. Et là, du coup, son lit est posé, son matelas qui est en train de gonfler. On a mis les prises. Quoi? Je prépare l'ordi et tout. Non mais c'est moi qui lui avais dit de tout démonter. Oui mais je lui ai dit faut qu'elle laisse en bas pour un lieu. Regardez la place que. Tous les sacs dans le couloir, parce que ce sera remonté dans cette chambre. Ça et ils ont beaucoup de place quoi. Je suis désolé, je veux pas. Non mais je veux pas nous jeter des fleurs, mais si. Regarde. Parce que là devant le lit jusqu'à la poutre, il y a rien. T'es pas obligé de coller, oui. Il n'y aura rien. Si la commode de Malone, il aura sa commode. Oui, Malone, et je voulais prendre un truc pour Libby à 15. Pour qu'elle puisse mettre sa console dedans quand elle joue. Moi je prendrais pas. Tu voudrais quoi, toi, Laura? Bah, pouf ou un truc. Bah, oui. Oui. Un gros. 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 Oh là là, ça fait plaisir. Lit, moi, quand les petites prises sont mises. Il manque les plaintes, mon père il va poser les plaintes. Les... Oui, un ah oui, il y a tapis intégré, ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un bureau de chuchote que t'as hein. C'est un bureau à LED. Ah oui, un bureau gaming pour jouer à Overwatch. Ah, il y a des gants de montage. J'aime pas les bureaux roses. En plus, sur la tata, ils sont tout petits. Tu mets où les sacs de pelé là pour mettre ça dans les sacs de pelé vides là? Mais il y a des sacs de ciment vides là. Non mais ça coûte pas. Bah tu peux. J'en ai plus des sacs de pelé pour l'instant. Il faudrait en vider dans le bac et après on en aura parce que le bac il est quasiment vide. On va mettre. Je sais pas, on pourra mettre la housse. Là il y a la déchetterie. Bah oui. Mais on attend que le matelas il gonfle. Ah mais tu peux la chercher déjà. Ouais. Mais oui, bah mets pas ce qu'il y a dans la cuisine. Bon, on a mis ça. Are you just smiling? Only 'cause I let you. Don't be testing my inner pain.
Reel me in to get it going. Open me up, sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just cause you're lonely. Yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. Un porte-casque, un porte-mouille. Je sens que Sylvie va acheter le même. Et Malone, il est quelle couleur? J'ai juste pas l'argent, mais ouais. Oui. Je peux voir la vis au niveau. Bah, c'est toujours bien, il m'a plus les plaintes, hein. La vis. Et puis le radiateur. Et la prise. C'est un drap normal, ça. Et la lumière. Je vais le commander. Pour descendez. Chloé, Théo, Cléo et Léo, descendez. Vous mettez ce côté-là, il n'est pas tombé. Hein. C'est un rideau, ça. C'était pas le bon paquet. C'est un rideau. Oui, tiens. Il y a le truc pour enfiler la tringle. C'est pas ta mère qui nous avait filé ça? Mais c'était dans le grenier quand on a été chercher les trucs de Noël. Là. On a C'est dans le grand Père Noël. Ah ouais? On verra s'il est gentil. Ouais, on verra. C'est toi qui dois être gentil, non? C'est pas le Père Noël. Hein. Mais moi, je suis gentil. Elle a un porte-boisson aussi, je crois, non? C'est ce que je suis en train d'installer. Comment ça va, et la place. Ah, mais pourtant, j'ai pas payé cher, hein. Black Friday, 90 euros le machin. Là, oui. T'as vu, refaire une troisième fois. Regarde, elle a déchiré. C'est quoi? Regardez là. Bon, je vais retrouver ça sur les étagères, je vais voir si ça va. Ah non, ça va être. Juste. En attendant qu'on reçoit le draus, hein. On n'a pas un draus dans ta chambre. Je vais regarder. Sinon, je lui mets ça en avant. Sous vide, t'en avais pas mis sous vide? Sur l'étagère. Oui? Oui, si, sur l'étagère. Sur notre, dans notre chambre. Viens voir, viens voir. C'est en dessous. Oui. Chercher, en dessous du lit. Bah vas-y. Toi. Oui, j'y vais. Mais qu'elle voit avec moi si ça lui intéresse. Et là, il faut que tu vois si c'est un drap ou pas. Tu vois si c'est un drap de place ou pas. Ton truc, il s'est retiré. C'est juste là. Oh, bordel. C'est une place, ouais. Mon père, il a de la colle à bois, il a dit. Oh, Libby. Attends, Libby, on mettra ça après. Waouh! Et on a réussi même à brancher! Hein. Oh bah dis donc! Eh, sans la notice, nous. Eh. On l'a dit avec une moitié de cerveau chacun, ça ouais, fait un peu. Ouais, regarde, moitié chacun, ça fait un con. Ouais, c'est bien. Oui! Elle est contente. Par là, comme ça il penche pas. Oui, mais là, va chercher sur mon bureau, Libby, il y a un bloc avec un gros bloc USB. Il est sur mon bureau. Mais tu peux pas le fixer au mur? C'est blanc. Ouais, mais on va pas tout accrocher. Ouais, tu lui fixes juste ça là. Ça, c'est vite que c'est bon, de on verra quand le ce sera. Mets déjà le bureau. Ah, bah il y a les plaintes à mettre de toute façon. Oui, il y a les plaintes à mettre. Ouais. C'est cool, hein. Il est gracieux. Il faudra que tu m'envoies la référence. Il est sur ma page influenceur Amazon. Non, mais j'ai pas ta page influenceur. Ah, bravo. Ah, bah bravo. Voilà, regarde. On va lui mettre ça. Pour qu'elle recharge sa manette, son téléphone, machin et tout. Ça, ma manette. Ah, ouais, qui se branche directement au courant. Eh, regarde. Nickel. Je le mettrai plus au milieu. C'est bien. À la place, hein. Il est trop joli. Là, ou un petit pouf là quand elle veut bouquiner. Oui, bah justement, on va lui mettre un pouf. Personnellement, moi je vais mettre là, au milieu, comme ça. Oui, aussi, ouais. Enfin, à droite, tu peux mettre un. Là, ça fait stylé. À droite, tu peux mettre un truc. Une poubelle à droite. Tu mets une poubelle là. Pour qu'il passe ton écran. Va chercher ton écran, Libby. Tu as celui des branches à fond. Oui, bah va le chercher. Si ça va pas, on peut le mettre. On peut même le mettre ici, si ça va pas. Ouais, mais la prise, ça va faire bizarre. Tu mets une rallonge. Moi, je pense qu'il faut que la console, elle la branche sur l'écran du bureau, pas sur la télé. Hein. Oui, la console, je la mets là, sur le bureau. Bah, Malone, lui, il veut la mettre sur la télé aussi, mais le truc, c'est que Malone, sa télé, elle est pas au mur. Là, mais moi, lui, il a deux consoles, Malone. Mais pourquoi elle mettrait pas un truc ici avec sa console? La télé est au mur, après. Oui, mais si elle veut brancher la console sur la télé, elle est là. Hein. Mais non, mais elle a branché le bureau. Pourquoi elle a un bureau gaming si c'est pour jouer sur la télé? Bah, y a pas de logique, sinon. À voir.
like a Ah, she looking like a In a skirt tight 너 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 거 그게 나 Every day and night 다 나답게 Oh, 다 나답게 Every day and night 당당하게 Yeah, yeah, yeah 나 닮아, 내발 오히려 난 즐긴데 따가운 텐션은 몸에 더 다들어 마음 내 차가운 town I'll bring the house down 내 등장으로 긴장한 질투어린 시선 벌써 이미 패스 너 뭔데 자꾸 비주얼 고주얼 일러 바치는 거야 너 제가 죽으려면 죽네 신용이라도 할 거야? 좀 주체적으로 살아봐 아 인생을 말이야 이가 없으면 뭐... 15h42 bonne situation ça y est ah tu touches le sol ça va pareil en bas ouais excuse-moi il y a un gros carton qui passe là Alors non, ça c'est top hein. Oh, oh pardon oh. Il t'a écrasé le pied. Roulé sur la Laura. Allez, grave bien. On a bien choisi hein. Papa, regarde mes livres. On lui a dit on a fini. Wow. On lui a dit on a fini, elle nous a griffé. On va où? Bah il y a la télé, je vais la mettre là. Mon père il va mettre la lampe et ensuite je mets la télé. Ah, on fait la chambre à côté avant de mettre la télé. On fait tout en même temps de toute façon. On est on fait tous les deux la chambre. Déjà la plainte. Oui, il y a les plaintes, oui. Oui, mais nous deux, on fait la chambre à côté. Ouais. Après, mon père, il peut mettre la télé, lui, au moins, ça sera sûr que c'est son nom. Eh ben... Le bureau, il est grave calé. Bah, oui. Mais on n'en fait pas tout ce que t'as mis là-dessus, là. Ouais. Parce que j'ai mis quoi? T'as mis ça là, mais c'est pas... Non, je m'en occuperai, moi, de lui faire lui brancher sa console, ses fils et tout. On enlève le là. Pourquoi? Bah, parce qu'on va faire ça. Bah, ça, ça va dans la boîte, la multiprise. Ça chauffe pas. T'es contente? Ouais. Ouais, t'es contente là, je pense. Oh, il est là, le sablier du tabou. Ah, bah tiens. Hein? Hein? Je sais pas, je l'avais trouvé par terre. Oui, bah oui, j'imagine. C'est un sujet tabou. Je suis riche. Ouais. J'ai trouvé dans le sac. Et ça par contre je sais pas où mettre. Ça non, il faut laisser de côté. J'ai dit qu'on le mettre là ou sur mon bureau. C'est toi qui vois. Je crois que ça. J'avais dit de pas les mettre à la côté. Là. Ouais. Mais après ça, si tu laisses tout le temps allumé ça va s'user. Hein. Non je vais pas laisser tout le temps allumé. J'allume que quand Qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, qu'est-ce que t'as pas compris dans ne pas vider le cendrier dans ta poubelle? C'est je vois pas de quoi tu parles. Nini, nini, nini. Oui mon cœur. Oh là là là. Regarde, tu peux la mettre en dessous hein. Ça place nickel. Putain elle est bien hein. Ah oui hein. J'ai dit à Bibi. Ah bah vu dans mon appartement, moi j'avise ici. Ma tête. Ah il va là, d'accord, ok. Attends, je vais essayer mon siège. Moi j'ai deux pièces. T'aimes chercher ta console, tes câbles ta console. C'est bon, je vais rester là toute la soirée. Mais ça va, tranquille. Essaye de t'asseoir, Laura. Elle se relèvera pas, mais elle va essayer. Je vous ai nettoyé, sèche-linge, lave-linge. Oh merci. Comment oh, le bureau. Comme il y a un coup au bureau de pauvre. Je vais chercher ma console, papa. Ouais. On va chercher le lit d'à côté, on fait. Ouais. Bah oui, ouais. T'as fini les clubs. Et regarde la lumière comme elle est claire, la lumière que j'ai achetée. Ah oui, bah qu'est-ce que tu faisais alors? Bah un radiateur, un public. Non, je croyais que tu faisais. Oh, comment tu l'as fait? T'as vu? Oh la vache! Eh, il est super bien! Ah oui, j'ai fait exprès, hein. Économie d'énergie, lumière diffuse. C'est mal aux yeux, c'est de l'halogène ça. Par contre, il faut passer un coup sur les radiateurs. Ouais, il faut passer un coup dessus, c'est tout blanc. Ils sont tout blancs, hein. Je préfère la chambre de madame que. Hein bah, c'est les mêmes. Non, Libye elle est un peu plus tassée parce que la poutre elle est un peu plus basse et il y a le coffret. Ouais. Moi je préfère celle-ci, elle est plus aérée. Et c'est parce qu'il y a rien. Et ça se voit juste à l'heure. Oui, oui, bah oui. La télévision va pas les plaintes. Je te laisserai mettre la télé après, pas. C'est 4 vis. Pour Libye? Bah oui. Oui, bah oui. Parce que c'est ce que je disais avec le coffret, tu sais, tu vois moins la lumière. Ouais, ouais. Mais en général ils sont toujours dans le noir. Oh oui. Oui, c'est vrai.
Oui, puis il y a des reflets sinon. Même ton père, il est toujours dans le. Bah oui, il y a des reflets après. Moi aussi, quand je joue à la console, c'est tout le temps dans le noir. Bah moi aussi. Sinon, après, il y a des reflets. Ouais. Bah ouais. Bon, viens, on va chercher la lumière. C'est parti. Ouais. Quand ça plus vite, on l'a fait, mieux c'est. Ah. Le câble là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas enlevé, je sais pas si on peut le débrancher. Ah, j'ai retiré ça. Tu parles plus. Pourquoi ça te débranche pas. PS, oui, mais tais-toi, toi. Je suis plus grande que toi, tu me dois le respect là, avec ma PS. Elle fait ta taille, donc arrête de te. Non. Eh, tu te la pètes, toi. Regarde, il est là. Ah, je te la pète de ouf. Tu te la pètes. Attends. Eh, regarde. Pile poil. C'est quoi. Bah, pile poil, la console. Regarde. Ton casque, il est en bas. Bah, tu vas chercher ton super casque. J'ai pas utilisé, je viens de l'utiliser. C'est un carton blanc, elle est très légère, elle est dans le carton. Tu peux, Libby, ramener le balai qui est dans ta chambre. Attends, je fais un room tour. Ah, oh, bah, j'ai déjà montré avant. Et les plaintes, tu saurais pas les faire. Mais moi, on va les faire, les plaintes. Mais... Voilà. J'aime bien ça. Hein. Ça, trouve, ça fait très stylé, moi je trouve. Pourquoi vous ne poussez pas plus ça j'adore. Attends, on verra quand tout sera prêt. On recharge la voiture. Mais tu sais que je suis jaloux de sa chambre. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente pour. Mais pleure pas, j'ai. Ah, tu vas me faire pleurer aussi, mais moi. Vous avez fait un beau cadeau pour les gosses. En fait, tu vas. Il a les larmes aux yeux, le fou. Tu vas me faire pleurer aussi. C'est des mois, c'est un an, on a regardé la première vidéo, c'était il y a un an. Mais ça, il y a un an qu'on a commencé à débarrasser le grenier. Ouais. Casque HyperX Gaming. Je l'ai pas utilisé parce que. Non, je l'ai pas utilisé tant que je joue. Tant que je joue pas, je l'utilise pas. Oh la vache. Et non, mais là, on va pas dans la chambre de ma vie. Oh, si j'ai envie d'y dormir ce soir, il est dit ouais, mais si. J'ai appris les chambres encore à Malone. Non, la chambre à Malone, elle est à côté, il est content, c'est beau. Et toi, t'es content d'avoir ta chambre tout seul? Et je vais dormir sur le lit. Et la télé. Et tu mets quoi? C'est plus mon lit. Qu'est-ce qu'elle doit être, ta chambre? Propre. En vrai, je suis content pour eux, moi. On a quand même investi des milliers d'euros. C'est trop. Mais là, quand je vois ça, je me dis putain, puis, mais c'est pas pour rien que tu l'as fait. Ouais, grave. Cala, ça mérite des câlins. Hein. Ça mérite ça tout le monde. Heureusement. Ouais, c'est pas fini. Heureusement qu'Antonio était là aussi. Ouais, on a été bien entouré. Hein. Antonio. C'est que Miguel et Antoine, ils ont failli venir ce week-end. Hein. Oh, bah, ils nous ont dit l'autre soir, mais on peut venir. Non, j'y fais pas la route. Et puis même les Antonio, les copains, papy. Non, s'il y a pas là. Oui, mais c'est déjà bien là. C'est chiant. Alors je t'annonce que. Vas-y, je te filme comme ça. Comme ça, on te voit en train de bosser. Pour une fois, c'est toi qui l'as dit. Hein. Ouais, la dernière fois, t'as vu bosser sur la DS aussi. Ouais. Oui, tu peux l'allumer, bien sûr. Oh, mais là, il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Ah, bah le, oui, c'est normal, le fusible, il est pas allumé. Hein. Je suis parmi les fusibles. Mais tu sais qu'il y a des trous pour faire passer les cartes. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Non, mais pas sur la boîte. Sur le. Sur le bureau, ouais. Sur le bureau, il y a des trous pour faire. Alors pourquoi que tu peux pas fixer au mur comme la lumière me disait? Parce que ça, la télé, elle passe pas. Ça tiendra pas. On va t'arracher au bout de 5 minutes. Ouais. D'accord. Le jour, elle va se rattraper dessus ou tirer trop par-dessus. Ouais, qu'elle se pente dessus. Je suis mouillé, c'est pas un truc. Qu'elle se pente dessus. Ça serait abusé, ça. Bah, tu. Oh, bah, Malone se pendait bien sous son lit au-dessus au plafond. Donc, qui? Malone. Ah ouais? Comme il a cassé son lit. Ah.
Bon, là, il voit mieux son lit. Hein. Ouais. Bon, on dit des petits, mais c'est pas mieux. Et puis si, il doit avoir une prise la micro sur la Play 4. Il a passé un coup de peinture sur le... Ah, oh, purée. Non, c'est sur... Qu'est-ce qu'il fait mal tout le temps? Si, elle est là. C'est pas vrai, purée. Non. Mais je suis sûr. Bah non. Il y a forcément une prise micro sur... Mais non, c'est sur la manette que tu branches. Ah. Oui, c'est sur la manette. Elle est en bas. Ah. Non, c'est sur la manette. Mais débranche le truc. Je vais switcher en fait, si tu veux, sur la manette. Ta manette, allume. Débranche ça du coup. Ça sert à rien ça. Il faut allumer l'ordi, papa, d'abord. Si, c'est pour l'enceinte. Ah, pour l'alimenter. Faut l'allumer l'ordi, oui, Libby, t'as raison, il y a un ordi ici. Ta manette, s'il te plaît. Je vais la chercher. Et les scotch, tu les enlèves Pas ah, oui. Maintenant, tu peux les enlever. Oh, tout de suite. Il attend de voir si le père Alora, il a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, j'ai un tout petit boîtier pour brancher les câbles. Tu peux vendre Je l'ai en allumé là, t'es bien. Merci. C'est la vie de la condensation. Hein. Je sais que plus on arrivait ici, plus il faisait froid. Ah. Ouais. On avait 5, on arrivait ici. Tu branches à la console, c'est, à la manette, c'est ce que je te dis. Attends, je suis pas sûr, parce que ça doit passer par USB, c'était compatible. Là, t'entendras rien. Il n'y a pas de son là normalement. Si, normalement il y a. Normalement ça fait, je te dis, ça passe pas en USB en dessous. Il y a du son normalement. Bah, voilà. Si on, faut le brancher sur la manette, le casque. Con. Oui, le casque. Il sort le son, le casque. Oui. Mais mmh. Bah, je veux pas l'utiliser tant que je joue. Par contre, elle fait Bluetooth un truc là, l'enceinte. Je sais pas, je croyais, mais en fait non. Si elle fait Bluetooth, la console non, elle fait pas Bluetooth. Je pensais, mais en fait non. Les gars, t'es en train de choper le machin. Ah mais tu vois moi il y a deux. Et tu branches micro et casque. Branche le verre. Tu vois c'est ce que je t'ai dit. Ah mais là ça tire pas sur. Ah oui, il y a une bouteille de. Le son il bug, il y a un ballon. Il y en avait deux l'autre jour, le ballon. Moi chez Caro, ils sont bien effets. Ils sont en double. Oh, c'est bon, ça va. Donc tu sais que si tu veux jouer sans le casque, il faut que tu branches l'enceinte comme ça. Ok. Là, t'as ton USB pour charger ta manette, ton téléphone, machin et tout. Ok. Et voilà. Mais j'ai pas de câble pour ça. Bon, après, c'est pas. En fait, t'avais juste à appuyer sur le bouton là-haut, hein, papa, pour l'éteindre. Yes. T'as besoin et t'appelles, chérie, hein. C'est mieux de l'éteindre comme. Bon, les amis, petit point de situation. 16h50, fin de journée. Bah j'ai déjà quasiment 10 000 pas déjà, alors que j'ai même pas fait le parquet. Donc comme vous l'avez vu dans les timelapses et tout ça, on a quasiment fini de meubler les meubles qu'on avait pour Libye. Donc il nous manque encore une commode qu'on a pas reçue, il nous manque une table de nuit qu'on n'a pas reçue. Petite mésaventure, la télé, je voulais la mettre avec un bras articulé au mur, mais mon père nous déconseille fortement parce qu'il a dit ça va essayer de le coup, qu'elle va se tenir dessus, elle va l'arracher et tout ça. Donc finalement on la posera sur la commode qu'elle va recevoir, donc ça c'est pas un problème tu vois en soi. Donc il nous reste encore une commode à recevoir, il nous reste la table de nuit de Libby. Son bureau installé, sa chaise, son lit, elle est en train de transférer toutes ses affaires dans sa chambre et tout ça. Là mon père il est en train de terminer les plaintes de sa chambre, il est en train de faire la découpe des plaintes, après il va les coller. Comme ça c'est fait. Et après il va attaquer les plaintes de la chambre de Malone, qui seront plus simples parce qu'il y a moins de découpe à faire. Il a changé les appliques, du coup il a mis les nouvelles appliques au plafond, vous l'avez vu aussi. Donc il y a encore 2-3 petites choses à faire pour mon père. Et puis après du coup nous on va monter du coup le lit de Malone, son sommier, son matelas, ses draps. On va commencer à transférer ses affaires, donc ses livres, ses machins et tout ça qu'on va poser aussi sur la tablette au-dessus comme Libby a fait. On va monter son bureau, on va monter sa chaise gaming, on va monter ses consoles, on va monter sa télé, on va monter sa commode aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à monter et tout de Malone. Et on veut faire ça du coup. Alors franchement, le live de ce soir, je sais pas du tout si ça va être possible. Honnêtement, je pense que ça va être un petit peu compliqué là parce que là, il est déjà 17h. Franchement, le lit, il y en a pour une demi-heure à monter. C'est pas le lit matelas qui est chiant, ça va être peut-être le bureau. En plus, c'est un bureau que j'ai reçu en partenariat. Je vous le montrerai plus en détail du coup en vlog, en promotion et tout ça. Là, ça va pas être la promotion, on va le monter et tout ça. Donc il y a pas mal de trucs encore à faire. Le hall, bah, c'est un peu le bordel parce qu'il y a tous les outils de mon père, mais il les reprendra après quand il partira avec ma mère.
Mais voilà, ma mère a fait des gaufres aussi, du coup les enfants ils ont mangé des gaufres à 4 heures, donc ça c'est bien. Et moi je continue de monter progressivement mon vlog parce que j'ai pas envie de passer... Là franchement, je dois être à... Allez, peut-être 3 heures de rush, 3 heures... Je crois que j'ai jamais autant filmé un vlog, j'ai jamais fait autant de séquences vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de timelapse, mais aussi beaucoup de moments où on vous parle. Moments émotionnels aussi comme avant, avec Laura, elle m'a fait pleurer aussi. C'est un an de travaux là qui commence à s'achever, et un an de stress, de questionnement, de doute, d'argent, de temps, d'investissement. C'est chaud. J'ai envoyé une photo de la chambre de Libby à Malone, il m'a dit « Waouh !» Et là je suis trop content parce que j'ai partagé une toute petite photo tout à l'heure sur Insta, genre où il y a juste... le lit n'est même pas fait, rien du tout, et genre le bureau. Et je reçois déjà des messages de personnes qui me disaient « Waouh, je t'avoue, j'étais sceptique, mais en fait, ça rend trop bien, ou « Ah bah, je m'étais trompé, toutes mes excuses, franchement, je pensais pas que ça rendrait aussi bien, et tout ça, et tout ça. » Et waouh, bah, ça fait plaisir de recevoir ça, je suis désolé. Parce que nous aussi, on doutait, nous aussi, on se disait « Ouais, peut-être pas », et en fait, on se rend compte que oui, on avait raison de le faire. C'est trop plaisant, quoi. Oh là là. Même Stevie, il m'a dit, j'ai vu sur Twitter, parce qu'il a, des fois il guigne sur le hashtag et tout ça, bon, il a pas de compte, mais il va voir par curiosité. Il dit, ouais, j'ai vu, ils ont dit que c'était des cellules de prison, machin, et tout ça. Et là, il m'a dit avant, il a dit, putain, j'aurais rêvé d'avoir une chambre comme ça quand j'étais ado, hein. Je dis, c'est clair, putain. La Malone, je lui ai envoyé quelques photos, il est là, waouh, trop bien. Et encore, j'ai même pas envoyé les photos de sa chambre à lui. J'ai envoyé des photos de la chambre de Libby pour l'instant. Lui, dans sa chambre, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Là, on attend que mon père termine du coup de faire les plaintes, parce qu'il a installé la scie en onglet, du coup, et ça prend de la place, donc on peut pas tout de suite monter le lit de Malone et tout, mais ça va faire quelque chose de bien. Hein. Ouf. Je suis trop content des lumières, comme elles éclairent. Ouais, en plus, c'est la même, hein, ici en rond. Du coup, ouais, ça éclairera bien, quoi. En plus, ça bouge pas, ça bouge pas rien. Oui, ça a l'aide, c'est genre 1 watt. Ouais. Ah, bah ça y est. Bah, le petit carré là, après on peut coller. Mais... Ah. Mais avant, faut que je la voie avec celle qui est bombée, hein, pour la couper en dessous. Ouais. Sinon, ça pourra, ça va, ça ira fort. Ouais. City built by the devil's son, into the tomb, we're never done. Everybody come in pairs, but in the end we leave alone. Some might shout, hey, it's not fair, but you'll understand when you're fully grown. Come now, what's done is done. Blazing yellow eyes, you're my rising sun. And somehow, you have me come undone. Dripping honey. You are my rising sun. You are my rising sun. You are my
17h46. Mon père a fini de couper toutes les plaintes là, Stevie est en train de les coller. Stevie est en train de les coller. Et la petite du coup Théo est parti à la douche. J'ai monté progressivement mon vlog encore une fois. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Et puis du coup Laura l'avait ramené, elle est revenue avec lui. Tout ça, tout ça. Théo, il est à la douche alors? Ouais, bon, il est, mais je suis pas. Théo! Dépêche-toi! Allez, carton, 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 carton. Bah oui, il a dit qu'il reprenait carton, il est foutu au feu. Putain, le pot s'est arrêté. Faut le nettoyer. Non, faut le nettoyer. F026, je crois, non? Attends. Elle l'a rechargé tout à l'heure ou vous? Ah, mais elle l'avait pas mis en route. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas, ou alors il faut le nettoyer, je sais pas, à voir. J'attends de voir s'il se remet en route ou pas. Elle l'avait mis. Ouh. Là, on va peut-être commencer à charger la voiture. Ouais. Je vais voir si je sais plus. Je sais même pas que la route. 18h. Bah il a juste à raboter la porte, après c'est bon. Ah, c'est bon, il est fini là. Bah oui. Il est plein, tu as tout fini, Stevie est en train de coller. Ah mais attends, il y a tous ces outils à mettre avant. Hein. Non, on est au fond. Donc il aura place pour tous ces outils parce qu'il était déjà bien chargé. Hein. Oui, bah oui, mais si, on va déjà mettre ça. Comme tu veux. Tus amigas me tienen en la mala, pero no pasa nada. Tanto tiempo y tú interesada, sin comprarte Gucci, Louis Prada, bebé. Yeah. Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo. Yeah. Solo hablando conmigo te cambia la voz. Hace tiempo que no nos comemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti, y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Hace tiempo que no lo prendemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti, y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Cuando pongo una de Nicki me acuerdo de ti. Las noches son más largas y estoy sin ti. Íbamos pa'l party y después pa' tu habitación. Tú bailando y un speaker. Piensas en mi bebé. Aquí ni se presta ni se fía. Manden lo que quieren que ella es mía. Full en los DMs y confía. Que nadie como yo se lo haría. ¿De qué pasa, siervo? Que no entienden nada. No somos exclusivas pero solo me lo da. No queremos títulos más.
Bon, le bruit que vous entendez, c'est du rabotage de porte. Il est actuellement 18h25. Tu peux dire la porte, il faut que j'aille voir les fiches. Ouais. Elle avait déjà passé un là. Ah ouais? Ah oui. Ah. Tiens là. Ouais, je la tiens. C'est un jeu qu'on a si sauteux. Pourquoi tu n'y arrives pas à c'est trop mou, ça, j'arrive pas. Ah, il m'a dit c'est du carton dedans et tout. Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'il t'a dit d'en mettre un bois, c'est au fond. Oui, oui, il faudra remettre un champlon. Un bois, parce que sinon, c'est tout mou là. Ouais. Et il m'a dit un coup de pied dans la porte et il y a un trou. Il y a ouais. On va chercher la. La scie sauteuse. La scie sauteuse, elle est dans la boîte jaune. Hein. Ok. Tu veux la chercher? Ouais, ta mère devant. Ouais. Chérie! Maman! Ah, mais elle s'occupe des gosses, attends. Encore, on va continuer de monter mon vlog, 1h22 de vlog, hein. Je crois que ça sera le vlog le plus long de ma chaîne. Malone et Laura sont en train de... Malone, Sylvie et Laura sont en train de monter le lit de Malone. J'ai déballé le matelas pour qu'ils prennent de forme, du volume. Il faut ressortir la boîte jaune du papa. La boîte jaune? Ouais. Peut-être dans la voiture, je crois. Dans la voiture. Ouais. Hop. Alors, quiche Lorraine, hop. Bonjour. Ah, c'est lui. Lili, tu vas chercher le jeu, toi qui dois les avoir sur lui. Hop. Bon appétit. Fais-moi, Lili, s'il te plaît. Non, mais vous prenez votre. Vous prenez le. Non, habitez, t'y arrivez toute seule. Bon. Oui, mais parce que j'avais un coup de pouce. Non, et ça va, c'est une quiche Lorraine. C'est une quiche Lorraine. C'est pas du steak haché, hein. C'est pas du steak. Prends ton. Avec les couverts. Ah, parce qu'il faut la scie sauteuse pour raboter la porte, il n'arrive pas à la scie à main. Et puis après, c'est bon pour toi. Yeah si. Eh ben, Léo, tu lui laisses ça. Moi, j'ai envie de. Mange. Cinquième batterie aujourd'hui. Mais il me semble que c'est pas quand on a mis dans la voiture. Bah oui, la boîte jaune, il me semble, oui. Quand je te demande un truc, elle a un coton un peu, lui. On est pas rentré, nous, encore, hein. Non, c'est ça, c'est... Non, je prends la douche. Hein? Je ouais, il lave les cheveux aussi. Ouf. Ah, elle est partie de la chercher. Quoi? Parce que orange, c'est... Bah oui, c'était la boîte du pépère. Je fais que ma marionnette et moi. Non, j'en voudrais pas. T'en voudras pas d'autres? Non. Et je ne vais pas trop manger celle-là. Hop. Mais... Yeah. Oh, oh, oh. Ooh, yeah. I'm out of here. Turn up for the night. Tonight. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh, she mine. She's so yeah. Damn fine. I just wanna call on you. Call money on just you. Fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah, yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can't nobody fall on you. Ooh yeah, yeah. She the girl in my visions. Now that I found you, I'm feening for all your attention. Yeah. Hope you don't mind if I give you a tour of my mansion. Yeah, all of this for you, babe. Nothing I won't do, babe. Weak for your love. Everywhere we go, we they be alright. Yeah, can't help it with your body. Just wanna make you happy. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah, I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can't nobody ball on you. Ooh yeah, eh. Yeah. Ooh. Ooh. Yeah. Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might give up on the baggage, girl. You got too much going on in that mind, let me help you. Yeah, yeah. Let me give you the moments and your life to step to. Fly away together. Fly away. Can't help it with your body.
just wanna make you happy. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can't nobody ball on you. Ooh yeah. I just wanna call on you. La chaise gaming et le bureau de Malone, le lit c'est bon. Je pense que vous avez vu, mes parents viennent de partir à l'instant, peut-être ils seront pas rentrés avant 21h chez eux. Mais bon, mon père il voulait terminer plein de petits détails, raboter la porte, machin et tout, c'est bon. Un Stevie m'a demandé à boire. J'ai commandé tacos pour nous, parce que merde, je crois qu'on peut le. On peut largement le mériter. Hop. Et du coup là bah, je vais monter la chaise et Laura et Stevie vont monter le bureau. Je sais pas du tout si c'est compliqué ou pas à monter. On verra bien. Hop là. On va voler une bouteille d'eau mais je. C'est là. J'ai. Les enfants ils ont mangé la quiche Lorraine et tout, ils étaient contents. Il y a juste Libby qui va manger avec nous. Parce qu'elle se couche plus tard que les autres. Et on recevrait la commande normalement à peu près à ce temps-là. Et elle est fin heureuse. Et bien contente. Bon, j'ai ça, du jus d'orange, des verres, hop, et la flotte. Et là, let's go. On va reprendre tout ça. Je dois annuler le live de ce soir parce que là, ça va être vraiment pas possible. Il faut que je fasse une story pour le dire. Mais c'est une sacrée journée là. Oh,
c'est du électrique. Oui, oui. Ah, oui, il monte et il descend. Non, mais il s'éclate aussi. Non. Bah, si. Il est réglable en fonction du plateau. Oui, mais comment on le règle? Il bouge plus, c'est ce que je te dis. Ah, je sais pas. Pas sur les côtés, non, il est pas électrique sur les côtés. Hein. Bah, déballe les plateaux et regardez avec le plateau ce que ça donne. Comment il va dessus? Bon. Et actuellement 19h14, on a commandé, ça devrait arriver à 19h50. Ils ont toujours du retard, les tacos. Donc on verra bien, là je viens de monter à Chess Gaming. Laure et Steve sont en train de monter le bureau, du coup. Et puis après, bah, c'est l'arrangement et tout ça. Et puis on sera bon. Sacrée journée, hein. Allez, je vais charger les fichiers de mon vlog jusqu'à maintenant. Encore une fois, ça fait 6 fois que je change la batterie aujourd'hui. Je suis à au moins 3 heures de rush, 4 heures voire même. Ça vous fait le vlog le plus long de ma chaîne YouTube, je pense. Resources with me, riding on the highway, making plans that are free. Ringing on the doorbell to my girlfriend's house. Town is not even noon. I haven't met a stranger in a long, long time. Haven't kissed one either, but now is the time. 'Cause I'm a believer. Oh, il va vite en plus. Oui, c'est pour se travailler debout ou assis. C'est l'Empire State Building. Après, tu mets des sièges de bar. Fais gaffe, la poutre. Ouais. Tu mets des sièges de bar pour faire des manches debout. Oh, ouais, Malone, la photo du web du truc tout en haut. Non, on veut plus, je veux plus lui envoyer de photo, il verra demain. Papa? Quoi? Dire oui, j'arrive. Nickel. Mettre le rail, les câbles et puis c'est bon. Ferme leur volet. Ouais, je t'amène l'écran comme ça. Tu le mets au plus bas et on verra l'écran à quel niveau on le monte. Mais ça serait pas mieux de le mettre contre le mur là aussi, bah, pour l'écran 27. Pense, parce que c'est trop. Il est grand. Hein. Ça va prendre toute la place là. Hein. Ouais, il est pas plus grand que celui-là. Hein. Bah, oh, pareil, kiff. Non, ça va trop empiéter là. Écoute, fais comme vous voulez. Hein. On essaiera, mais moi je dis plus. Young speed in 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Young speed in 91, drunk driving. Losing all intention, falling. Once I was living for the passion. Now it's all missing. Yeah. Without you. Kevin Pucci. 하늘길까지 telling me that you Gucci. No, not you, auntie. Got me driving like a movie. Like a movie. 난 아직 Gucci. 걱정 따위 nothing. Pedal to the floor. Only seconds left to go. 새벽 4시. 오후 아침까지 미안한다고 말하지. 나라지 아직 got me calling like a movie. Et là tu vis là, et voilà. Mais là j'ai pas trop du coup. Je crois que c'est la fatigue qui commence à venir. Ça se trouve. Et comme ça. Mais alors, sinon tu prends le putain comme un truc. Oh. C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il fallait pas. Il est là le pif. Ah non, c'est l'arrondi. Il faut pas enlever ça et le poser là-dedans. Non. Et après on le rentre. Je le retiens comment? Il est collé au plateau. Ah, c'est collé. C'est pas nous qu'à la voix. Qu'à la voix. C'est vrai que c'est collé ensemble. C'est collé au bas. Oh. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça? Attends. Est-ce qu'on lui mettrait pas des petits trucs comme on a fait à Libby? Mais hé, attends, c'est écrit, faut clipser. Faut clipser.
l'arbitre rigole. Vous êtes fatigué, hein. Ah, j'ai trouvé. Ah non. On n'arrive pas à mettre ce truc. Et viens voir, mec, c'est un délire. Ça slip, quoi. Oui, mais oui, on n'arrive pas à trouver où. Ah, on a trop essayé. Il y a un poubis, là. Oui, mais oui, pas l'autre mais côté. Pas de l'autre côté. Oh, merde. Bah, ça se glisse et l'autre, ça se visse. T'es peut-être pas con. Ça se glisse et l'autre, il se visse. Mais ça se glisse, quoi. J'entends plus. J'ai essayé, ça rentrait pas. Oh, bah, pourtant... Non, il a porté, là, mais... Oh, pourtant j'ai entendu des choses plus grosses que ça. Il y a le côté, peut-être qu'il se glisse là, je sais pas. Ça finit ça à finir au vis-dent. Mais j'ai dit, est-ce qu'on lui mettrait pas des trucs comme un ami et Lydie? Non, ça rentre pas. Regarde, il y a des trucs là. Ah, ah mais non. Pourquoi? Ah oui, mais là, ça c'était déjà ça. Oui. Ah, ah mais attends. Ah non, ça rentre pas. Mais il est plus large. Elle est pas un peu nerveuse, hein. Il est plus large, ton truc. Je joue en ronde, je vais pas aller mouiller avec elle. Hein. Parce que là, il y a un trou. Et là, il y a un trou. C'est tout du gouillard. Il y a deux trous, là. Ah, comme non. Ça. Oui. Il y a la putain de batterie. Bah, comme ça. Mais oui, voilà. Ça fait une descente. Mmh, normal. Okay. Non, mais est-ce qu'on est obligé de lui mettre ça et au oui, les cas, on est obligé. Tu mets des trucs comme on ça. On n'y arriverait pas. C'est une promo, donc je vais vous montrer, quoi. T'as regardé le manuel? Oui. Ils disent quoi? Ils savent. Mais ils disent pas où. C'est là. Ouais. Regarde. Attends. Dans le plateau de gestion de câble. Mais regarde. Comme ça. Tout d'abord, tournez les boulons de manière incomplète dans la barre de support transversale avec la clé hexagonale. C'est ça, les boulons. Je pense. Ce qui signifie ne pas les serrer. Ensuite, faites glisser d'un côté du plateau de gestion de câble dans les boulons avec la clé hexagonale. Ça rentre pas quand même. C'est pas assez bien. Okay. Incruster d'un côté. C'est pas assez bien. Oh, j'ai trouvé. Oui, ça clip. Ça, faut l'incliner. Non, c'est bon. Non, on a essayé. Ah, non, avant je t'ai pas dit que j'avais des vis ici, des trous de vis pour rien. Oui. Je pense qu'il faut mettre le truc à plat et après tu mets les vis pour que ça tienne. Non, les trous de vis dans quoi, il y a pas de trous. Attends, il montre bien comment faire. Hein. Eh bien, regarde. Mmh. Oh non. Mais il y a pas de trou. Oui, mais tu te souviens pas que je t'avais dit qu'on pouvait pas le visser à fond? Eh ben. Peut-être parce que. Comme ça. Et si l'autre côté, regarde, c'est pareil au niveau du trou. Regarde, c'est pareil au niveau du trou en face. Mais t'es Google, toi. Mais non, tu mets l'appareil. Mais ça peut pas être ça. Mais si, là, il y a des. Mais c'est un truc de gitan, mais pas un vrai truc de. Mais regarde. Je l'ai vu là. Regarde, là, il y a des vis. Il y a des vis. Tu vois? Regarde. Ça fait si après regarde, si regarde. Et là pourquoi il y a un trou de vis et c'est y a écrit pas de... serré. Là. Elles viennent pincer en fait. Elles viennent comme ça, oui, à pince, donc c'est comme et ça. Pourquoi là il n'y a pas de trou? Mais parce qu'ils ont mis des trous pour rien. Et pourquoi ils ont mis des trous pour rien? Genre il y a un mec qui est payé à faire des trous alors que c'est pour rien. Ça me tomberait. C'est des ingénieurs qui ont réfléchi à ça. Hein. Bien sûr c'est ça. Donc. Là, on fait comme je te montre, on essaye, après on verra. C'est pareil de l'autre côté. Oui. Quoi? C'est pareil de l'autre côté. Mmh. Mmh. Attends. T'as regardé correctement? On va essayer comme je pense, et on verra. Voilà, la chose, c'est comme ça. Et c'est pincé, et après tu resserres bien. C'est pas de vis hexagonale, je sais pas quoi. Iso? Hexagonale, je sais pas trop quoi. Et vite, c'est ça. Attends, je mets la deuxième. Lui, il voit pas. Lui, c'est celui qui descend pour l'alimentation. Il est comme ça. Voilà. Il va faire pareil de l'autre côté. Il est vite de l'autre côté. Il est vite comme ça de l'autre côté. Ils ont mis 4 minutes à monter, lui.
Et c'est ceux qui l'ont conçu. Ils savent comment ça va. Oh, mais ils ont pas le cache-câble. Pour ça. Bon, moi je descends en attendant ta pause parce que. Bon, les amis, il est presque 20h, je vais descendre pour. C'est quoi le code de ta carte bancaire? 2386. Bah, du coup. Léo? Léo? Dans le lit de Malone, tu m'enlèves sa couette à lui et ses oreillers, s'il te plaît. Pourquoi? Tu les mets dans mon bureau? Bah parce qu'il a le droit d'avoir des lits et des oreillers, non? Pourquoi il est là? Mais non, pour demain! Tu vas pas dormir avec deux couettes et six oreillers? Six oreillers? Du coup, là, ils sont en train de terminer le montage du bureau. On a mis du coup un écran dessus pour voir un petit peu la hauteur, etc. Comment ça joue. Et puis là j'attends du coup les tacos. Bon après ça m'étonnerait qu'ils soient à l'heure, mais bon on sait jamais, sur un malentendu. Ils peuvent très bien être à l'heure. Hein. Ne sait-on jamais. Oh, fatigué. Là. Claqué, claqué, claqué au sol. Longue journée, long vlog, long montage, long. Oh, tu m'as fait peur, cacahuète, me fais pas peur comme ça, voyons. Oh, les boules. Hop. Oh putain. Je vais devenir zinzo là. Je vous jure, je suis fatigué. Je vais devenir fou. Je vais câbler. Oulala. Donc là, il reste du coup à terminer de monter le bureau. Amener 2-3 trucs voilà, sur le bureau de Malone. Lui mettre sa couette aussi, sa nouvelle housse de couette, tout ça. Normal. Et après. là, tout ce qui est ses affaires à lui, ses consoles et tout, il les amènera demain lui. Hein. De toute façon, on a sa commode aussi à monter. Ah oui, il faut qu'on monte aussi sa commode en haut. Ah oui. Faut qu'on monte sa commode. Le problème, c'est qu'elle est encore pleine. Je pense que ça, on le fera demain avec lui. On va la monter avec lui demain. À mon avis, on va pas la monter tout de suite, tout de suite. Ah, on a bien avancé quand même. Je pense qu'on a été assez rapide et assez performant tout de même. N'est-ce pas? Bon, je vais attendre le tacos. À mon avis, je sais pas s'ils vont arriver en retard ou pas, 19h50. La dernière fois, ils étaient arrivés à l'heure, exceptionnellement. Et en plus, je suis tout flou, ça, c'est n'importe quoi. Montre-moi tes techniques. Tu la prends à l'envers, la housse, tu la mets à l'envers. Ouais, ça, je sais. Les mains dedans, tu vas choper les deux coins. Ouais. De chaque côté, tu la claques 2-3 fois histoire qu'elle se mette bien, puis après c'est bon. Ça roule. Voilà. Tu refermes le petit truc. Elle est pas bien là. Ouais, si. Ça fait une boule au bout. C'est normal, la côte est plus grande. Ouais. Attends, t'as rien vu. Tu triquites, là. J'ai triquite. Si, tu triquites beaucoup, je trouve. Voilà. On a une grosse vue sur ton gros cul là. Mon gros fiaf. Voilà. C'est qui fait ça bien, hein? Et bien sûr, c'est moi qui le fais à chaque fois. Le relève-toi. Pourtant, c'est lui qui l'a fait dans la chambre de Libby. De quoi? C'est lui qui l'a fait dans la chambre de Libby. Oui, mais quand non, c'est ta mère, je crois. Ouais, en plus, oui, je crois que c'est ma mère. Oh, j'ai la peau du ventre bien tendue là. Ouais, bien. Oh la vache. C'est XXL en filet en entier. Même moi, j'ai mangé de la moitié. Ah, les frites aussi, j'ai mangé. J'ai mangé de bonne moitié des frites. Ouais, moi aussi, j'ai mangé des frites. Ouais, mais toi, les frites fromagères, t'en as mangé 3 paquets. Ah. T'as assez cheveux. Oh la vache. Voilà. Là, c'est le coin numéro 1. Le coin numéro 2. Le coin numéro 3. Mais y a pas de coin numéro 4. Alors du coup, j'explique ce qui reste. Hein. Malone, il y a son bureau. Avec l'écran 27 que j'avais, il met son PC portable à côté, du dual screen, machin, etc. Montre-toi. Je vous ferai la promo. Non, mais je ferai la promo parce que c'est en dehors de ça. Okay.
petite poubelle à côté, un petit meuble à côté pour poser je sais pas quoi. Ok, nickel. Là, il y a sa commode qui va arriver là, qui va diviser en deux, avec sa télé dessus, bien évidemment. Et ses consoles, bien évidemment, ok. Je pense qu'on lui mettra un pouf aussi quand il veut jouer à la console, tranquille. Bon, il se met sur le bout du lit, hein. Bah alors, on rapprochera un peu la commode. Là-bas, il a une table de nuit, elle est encore en bas, hein. On n'a pas encore transféré toutes ses affaires. On attendra qu'il soit là demain pour transférer ce qu'il veut transférer, il n'y a pas les livres encore et tout ça. Bien évidemment, c'est normal parce qu'on attend qu'il soit là demain soir. Comme ça, il choisira lui où il veut mettre ses trucs et tout, voilà, on n'a pas envie de le faire à sa place. Je pense qu'il aura l'excitation de le faire lui. Et c'est ses affaires, quoi. Voilà, mais là, son lit est prêt, son bureau est prêt, sa chaise gaming est prête. Il a le radiateur. Là, il est pas en route, ça sert à rien de le mettre en route. Il faudra que tu mettes les fusibles. Pas que tu oublies de remettre les fusibles. Oui, je mets en route les fusibles, ouais. Et puis, du coup, voilà, c'est très bien. Et dans la chambre de Libby, pour le coup, c'est un peu plus équipé, vu qu'elle a pu s'organiser. Bon, là, il y a quelques... Ouais, bah, il y a encore ses affaires, hein, parce qu'on a pas encore tout reçu. Donc, elle a sa chaise gaming. Attends, je vais te filmer. Son bureau gaming, sa PlayStation. Anime-le, son bureau, là. Je trouve trop stylé, son bureau. Ouais. Il est sur Adrien, ma page influenceur Adrien. L'écran qu'elle avait de sa maman, donc c'est l'écran du PC de sa maman. Bon, il a de l'âge, mais il fonctionne toujours très bien, donc sa PlayStation est dessus. J'ai acheté pour Malone et Libby la même chose, c'est un gros bloc chargeur USB pour charger leur téléphone, leur console, leur machin et tout ça. Leur manette, donc poubelle à côté, pareil. Et là, il va y avoir une commode bloc, vous savez, les blocs Ikea, les blocs ouverts où tu peux mettre des trucs, des cubes, les cases. Qui va aller là comme ça, elle pourra mettre des trucs dedans, vous voyez encore des trucs à ranger. La télé dessus, avec Amazon Fire, pareil pour Malone, pour avoir Netflix. La télé. Ouais, Netflix, machin et tout ça. Légère d'ailleurs, j'étais surpris. Oui, bah oui, moi. Ouais. Avec contrôle parental, hein. Attention. Blocage automatique d'internet à certaines heures le soir et tout ça, pour pas qu'ils aillent la nuit sur internet et tout. De toute façon, ils captent que c'est la fibre, donc moi je manage la fibre pour que ça bloque. Contrôle parental, tout ça, bien évidemment. Là, on a le lit avec les doudous. Bon, on voit, hein, c'est Libby. Elle a déjà installé ses affaires, elle a déjà installé voilà, ses livres, son bordel et tout ça, son sac d'école. Demain, on reçoit sa table de nuit, qu'on n'a pas encore reçue, avec la petite lampe que je lui ai achetée pour qu'elle puisse bouquiner le soir tranquille. Et puis voilà, la commode là, il manque la commode là, et puis 2-3 éléments de déco, si je vais mettre des tableaux, des machins. Bon, là, ça, c'est normal. Oui, on a pas retiré le scotch parce qu'il y aura peut-être des petites retouches. Et là, Antonio, il a recollé une bande, donc il faut attendre qu'elle sèche plusieurs jours, il m'a dit cette fois-ci, parce que ça engorge avec la peinture et ça gonfle. De toute façon, tu touches, c'est encore frais et humide. Hein. Oui, oui. Donc on fera ça de toute façon. Donc s'il y a les scotch, c'est normal, c'est parce qu'il y a encore des retouches. Ouais. Du coup, on le retire pas pour les remettre. Donc voilà, il y a encore des choses de déco qui vont se faire. C'est eux, c'est les grands qui vont choisir ce qu'ils veulent de toute façon. Si lui me dit, ah, j'ai envie de mettre un tableau là, on gardera sur Amazon, on commande un tableau. Nous, on a équipé le mobilier principal. Voilà. On s'est dit qu'ils aient un lit, un bureau, une chaise, leur console, leur télé, des rangements. Bon, bah là, il y a encore des rangements à faire, mais son meuble arrive. Malone, il récupère sa commode. C'est une grande commode d'1m40, donc elle est largement suffisante et tout. Donc il pourra ranger plein de trucs dedans, surtout que ses livres sont dans la commode actuellement. Et là il va pouvoir mettre ses livres sur le rebord comme Libby. Donc du coup il va gagner de la place dans sa commode, donc ça sera parfait. Et du coup au niveau de la suite des travaux, donc tout là ici il reste encore à... Bah ça c'est des finitions, vous voyez il faut mettre un champlan et tout ça, donc ça va venir, vous inquiétez pas. Poncer, après peinture dans toute la cage d'escalier. Parquet, parce que c'est pas encore fait, dans la cage d'escalier. Faut que j'achète deux paquets d'ailleurs parce que je me suis emmêlé les pédales hein, quand j'ai acheté, vu que j'ai dû changer en cours de route le parquet parce que Malone voulait un autre, j'ai rendu trop de paquets gris. Donc demain faut que j'y aille hein, parce que sinon il n'y en aura peut-être plus. Et bah là il va falloir faire le dressing, bon là il y a du bordel, hein, c'est des cartons, pareil ça va aller à déchetterie, vous inquiétez pas. On va mettre étagère d'un côté, penderie de l'autre ou penderie au fond, étagère des deux côtés, peu importe, là on est sur la réflexion comment on va faire ça. Mais on attend déjà que ça soit peint et ça la semaine prochaine, ça sera poncé peint la semaine prochaine. Parce que tu fermes à partir de là, là. Ouais, on va mettre un rideau avec une grande tringle et puis ouais, voilà. C'est ça. Et voilà, visé de dressing et tout ça. Là, il y aura un petit canapé sur mon machin. On va mettre aussi un gros pouf hein, dans la chambre de... Mais putain, ça fait... Franchement, je vois les deux chambres, ça me fume, quoi. Quand on voit d'où on est parti... Je me souviens du premier jour où je suis monté ici. Et déjà là, c'était un gros bordel. On pouvait même pas faire deux pas. Et là, on monte... T'aurais pensé que c'était possible? Honnêtement, ouais, mais je voyais ça beaucoup plus petit, tu vois. Ouais, pareil. Bah, c'est ce qu'on disait quand on débarrassait le grenier. Ouais, mais ça va faire light, mais en fin de compte, non, tu vois. Après, bah, en fin de compte, non. Elles sont longues, les chambres. Oui, elles sont vachement longues, et du coup, bah, on le voit, hein, que ce soit dans la chambre de Malone.
Là, il y a le bureau et là, il y a de la place entre là et là. Il va peut-être avoir la commode ici. Il a même pas. Il va avoir la commode ici, non, mais regarde l'espace. Je montrerai dans le vlog de demain parce que j'évite de montrer la chambre de Malone généralement parce que voilà. Oui, dans la chambre de Malone, il a beaucoup moins de place que et là, il a il ici. Il a quasiment pas de place dans sa chambre parce que son lit, il prend toute la place, l'armoire prend toute sa place. Tandis que là, Léo, il va se retrouver avec un lit enfant, donc ça ira très bien. Enfin, un lit une personne. Ouais. Mais donc, là, oui, ça se voit tout de suite, il y a la place pour circuler, voilà quoi. Bah oui. C'est... Et puis là, du coup, il va y avoir des claustras. Alors, mon père a fait les mesures tout à l'heure, donc... Les quoi? Des claustras. Hop, tu leur expliques pourquoi les claustras? En fait, c'est une poutre, hop, et ça va faire poutre, 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 poutre. C'est un petit quadrillage comme ça, très joli. Ouais. Non, mais et pourquoi tu répètes claustras tout le temps? Ça fait au moins 50 fois depuis ce matin que je leur dis qu'il y aura des claustras à Laura et Stevie. Quoi. C'est bon. Oui, bah j'imagine. Alors, je rentrerai pas dans les détails, mais on fait une fête de Noël 24 décembre avec toute sa famille et Malone. Sauf que son père ne voulait pas que Malone y vienne le 24 et finalement c'est bon, il viendra. Mmh. Et je suis fier de toi, chérie. Mmh. Oh, vous avez mis la couette. Adrien a mis la couette. Son tapis de souris, sa souris. J'ai horreur de mettre les couettes comme ça. Mmh. Attends, là, c'est pas bien. C'est la petite touche. Voilà, regarde. Ouais, tu l'as mise, mais... Oh. Tu l'as mise, mais t'es un mec, quoi. Il y a plus rien à monter là. Et non, hein. Table de nuit et tout ça. Oui, mais ça, j'ai dit demain, on fera avec lui demain. Parce que je veux qu'il range lui ses affaires et tout ça, qu'il voit ce qu'il veut garder, ce qu'il veut ranger, où est-ce qu'il veut ranger. Tu sais, c'est toujours l'excitation dans une nouvelle chambre. Regarde Libby comme elle était folle aujourd'hui. Ah, elle, demain, elle était fin excitée aujourd'hui. Ouais, demain, comme j'ai dit, en plus, là, on a équipé le mobilier. Après, s'ils ont des objets de déco à vouloir mettre, bon, on mettra des objets de déco. Mais là, au moins, mobilier, très bien quoi. Ouais, la chaise, comment elle est confort de ouf, je me suis assis ouais, dedans. Et les trucs, ils se... Et c'est son mix, hein. C'est une marque que je connais bien sur Amazon. Et j'ai déjà bossé avec eux une fois, et franchement, c'est de la quali. Hein. C'est vraiment quali. Hein. Le Geoffrey, il a la même. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Geoffrey, j'y allais bien la chaise ou pas? Parce que je commandais la même pour Manon et Libby. Il m'a dit, top. Ouais. Là, je suis confort de ouf dedans. Elle est bien moelleuse, je trouve. Ouais. Elle est pas dure. Et tu vois, tu sais, le dos, genre, il est bien placé, du coup. Tu sais, t'as ouais. pas. T'as fait mon zizi, là? Non, ce qui met vers le bas. Faut aller très je te rappelle, je suis petit. Ah oui, c'est vrai. Mais, quel boulot. Quel boulot. Ah, vache. 13 000 pas aujourd'hui, j'imagine même pas Laura avec le parquet qu'elle a posé toute la matinée. T'étouffes pas hein? T'étouffes pas. Bref, comme j'ai dit, il y a encore des finitions à faire, bien évidemment, c'est pas fini. Oui, il y a quelques petits joints, par exemple, sur le dessus des plaintes à faire, mais, ouais. Mais du voilà, coup, du coup, vu que les enfants sont enfin dans leur chambre, on peut considérer que là, on est à 99% du travail de fait. 98. Ouais, 98 si tu veux. Mon père est arrivé dans 15 jours pour faire le parquet là. Il a dit parquet, finition, machin, dans 15 jours, rien. Mais là, oh là 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 là, le boulot, les amis. Tu vas faire peut-être un petit vlog travaux avec moi. Avec ton meuble là? Ouais. Ouais. Mais ça peut être une vidéo pas mal, non? Les deux branquignoles qui bricolent. Ça peut être une vidéo pas mal, hein. Vidéo travaux pour Stevie. Ma table avait de comme ça. Oh putain, grave. Bon, allez, bouge, faut que je prenne une photo. Pour ma mère, je vais dire que je t'envoie. Ah, ok. Elle m'a dit, mais vous avez fait. Bon, les amis, il est actuellement 21h08. Laura va partir ramener Stevie du coup chez lui. Il habite pas loin, il habite à une dizaine de minutes, même pas. Mais c'est juste la route, en fait, c'est de la montagne et tout. J'aime pas quand Laura y va, mais là, c'est vrai que ça me permet de clôturer et de monter la fin de ce vlog. Bon, bah écoutez, je vais pas vous clôturer pendant 107 ans. Je pense que le vlog est suffisamment long comme ça. Je vous ai en plus fait un petit tour avant, des chambres pour dire ce qui restait, etc., etc. Donc, pas besoin de tergiverser. La Libye vient d'aller au lit dans sa nouvelle chambre. Léo dort déjà dans la chambre de Malone, du coup. Et Théo dort tout seul. Et Chloé, elle dort tout seul. Ah bah, Chloé, je sais pas, cet après-midi, elle était là, oui, elle foutait les affaires de sa sœur dehors, tu sais. Toute contente d'avoir sa chambre. Enfin, bref. C'est... On avait dit fin novembre. Hein. On avait dit aux enfants, fin novembre, c'est bon. On est à 3 jours de fin novembre, et c'est bon. Je ne pourrais jamais... assez remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, les parents de Laura, mes parents, nos amis, Stevie, Alain, Miguel, Anto, Geoffrey, et j'en passe, qui nous ont aidés, nous ont épaulés dans cette toute cette entreprise de créer ces chambres, et qui nous ont soutenus jusqu'au bout, et qui nous ont rassurés quand on était dans le doute,
Voilà, il y a des moments où, tu sais, je filme pas tout en vlog, hein, je montre pas tout en vlog. Il y a des moments où on était vraiment pas bien, on se disait, merde, comment on va faire? Que ça soit financièrement comme aussi au niveau main d'œuvre et puis aussi au niveau du temps qu'on a dû accorder. Hein, c'est un mois en fait, un peu plus d'un mois de rythme intensif, de travaux, de travail d'enfant, de travaux de travail d'enfant, de travaux de travail d'enfant. Qui s'achève. Maintenant, c'est des petites finitions par-ci par-là qui restent, et c'est vraiment comparé à ce qui a été fait, c'est du pipi de chat. À la limite, l'après la peinture dans le hall, oui, ça va être un petit peu chiant. Mais je vais y aller vraiment chill, je vais y aller tranquille, sans prise de tête. Quand j'ai un moment de le faire, allez hop, je prends une petite heure, poum, je pose l'après, merci, au revoir. Je suis pas à l'urgence ou quoi que ce soit, tu vois. Et beaucoup de stress, voilà. C'est, je pense que je suis quelqu'un qui est positif et qui est très optimiste, qui est positif beaucoup. Et j'ai toujours le sourire, très souvent, quasiment tout le temps, j'ai le sourire, la banane et tout ça. Mais je garde beaucoup pour moi aussi tout ce qui est fatigue psychologique, voilà. Et pour moi, ça a été une grosse fatigue psychologique, tous ces travaux. Ça a été très compliqué. Et là, ça se termine. Et c'est un gros soulagement. C'est un gros ouf de soulagement que ça se termine, voilà. Et je pense demain que du coup, je vais pas vlogger demain. Là, ce vlog-là m'a épuisé. Monté tout au long de la journée le vlog, machin, filmé, caméra. J'ai changé 7 fois la batterie. 7 fois. Je crois qu'au niveau rush, je sais pas du tout combien d'heures de rush j'ai. Mais je dois avoir, je sais pas moi. Je peux regarder, hein, avant de vous clôturer. Combien de temps j'ai filmé. À faire attention à la caméra, à la pose et là, machin, à faire les accélérer. Et si, ça, nanana, nanana. Je sais pas quelle quantité j'ai. Mais j'ai une sacrée quantité. Attendez, je ferme la porte du bureau. Alors, combien d'heures? Parce que là, je peux reprendre tous mes fichiers. Tac. Sans compter ce que j'ai pas encore monté là. 4h30 de rush. 4h30 de rush. Sans compter ce que je viens de charger et cette clôture de vlog. 4h30 de rush, putain. C'est aberrant. Et là, mon logiciel, il souffre. Hein. Il y a du mal. 10h32. 10h33. 10h37. Voilà. Allez, je vais monter la fin. Let's go. Bon, là, on va être pas loin des 2 heures de vlog, hein, facile. Allez, je vous remercie d'avoir regardé ce long, très très long vlog. Est-ce que vous avez regardé jusqu'au bout? Dites-moi en commentaire, j'ai regardé jusqu'au bout. Ça me ferait plaisir de le savoir. Allez, bonne nuit. Salut.